Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission Fafa qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans le Fafa. Restez connectés dans vos fauteuils. Vous qui nous suivez depuis les quatre coins du monde, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallet, la légende. Je ne suis pas seul, je suis toujours accompagné de celui-là même, avec qui mon binôme, l'homme de tous les temps, le seul, celui qui a les questions tonies piquantes, le Big Anaconda. Yo, 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 yo. Ok. Alors, dames et messieurs, merci à vous qui partagez sur la toile l'actualité people depuis le Fafa, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité de taille, un invité de marque, parce que récemment, il vient de faire le plein du Palais de la Culture. Il fait partie de cette génération de rappeurs qui ont envoyé un nouvel air, un nouveau souffle dans le rap ivoire à la période de leur départ. Ils ont commencé déjà tout jeune. Or, ne dit-on pas que ce qu'on commence tout jeune, quand on grandit avec, on grandit aussi dans ce tas, et ils sont très concentrés. C'est un groupe de jeunes. Et assez souvent, ils ont un slogan qui dit « Ils ne savent pas ce qui se passe dans le 13 ». Bon, aujourd'hui, il va nous expliquer ça, parce qu'il fait partie quand même d'un des fers de lance de ce groupe, de ce coup. Il fait partie quand même, c'est l'une des têtes fortes, l'une des têtes avancées aussi de son groupe. Et aujourd'hui, il évolue dans une carrière solo, et il vient de faire un truc de malade au niveau du Palais de la Culture. Dames et messieurs, nous recevons ici dans Fafa aujourd'hui Didi B. Didi B. Yes. Didi B. Yes. Alors, champion, comment tu vas? On est calé. Hein? Anaconda. Didi B, là, lunettes en or. Le style est là. Et respectez vos codes. Ah, Marcos est en train de demander ces lunettes là, porte là, c'est imitation originale. Il dit c'est imitation. Non, bon, enfin. Si tu comprends un peu, aussi, c'est si tu comprends un peu ce que je veux dire, si c'est. Il y a collier, je ne sais pas si c'est or gris, il y a un G comme si c'est Givenchy ou bien si c'est Cartier. Non, je sais. Ça, c'est pour la conspiration. Pour la conspiration. À la conspiration. C'est en moitié Viviès, puis Moïsanite. En Moïsanite, Moïsanite, ça vient juste après le diamant. Ah, le diamant. D'accord. Voilà. Et ça avoisine 6 500, 8 000 $ après les frais, tout ça. Ton conseil, ta femme est rap, tu fais là, qui te donne l'argent pour payer tout ça. Mais le rap que je fais là, c'est ce que je montre aux gens, où il y a l'argent, c'est ça qui explique. Oui, mais est-ce que ça te rapporte suffisamment d'argent pour t'offrir tout ça, vu les Bien frais? Sûr, attends, tu parles de quoi? J'ai signé un contrat avec le 9DI. D'accord. Ça, la prime de signature. Nous, on n'est pas les joueurs de foot, donc on peut pas. On placarde pas les sommes de nos signatures comme ça. D'accord. Les labels là, tu vois. Souvent, on ne veut pas parce que ça peut te créer des problèmes aussi, tu vois. Surtout pour tes créanciers. Non, pas, tu dois pas. C'est à qui tu dois. Si, on doit tout ça à quelqu'un. D'accord. Donc. Même le pays même doit où tu vis. Voilà. Donc, tu vois. Sinon, là, ma signature de 9DI déjà, frère. Parce qu'en fait. Il y a une villa à piscine à Jacquesville. Félicitations, ça fait plaisir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les artistes aujourd'hui, franchement, ils ne vivent pas de ce qu'ils font. C'est vrai, tu les vois un peu partout, mais quand tu les approches, tu vois en profondeur, ils sont dans la misère. Non. Mais non. Toi, en tant que rappeur aujourd'hui, je dirais que tu es le seul rappeur ivoirien, peut-être même qui a ses signes extérieurs. Non, chacun a sa manière de vivre de son art en Côte d'Ivoire. Les DJ ont envoyé un style de comment on appelle ça, d'ambiance pour avoir leur argent. Il y a les spots. Est-ce qu'ils gagnent l'argent? Il y a le coupé décalé. Les DJ vivent bien. Mais attends. Mais Arel Chéné, il gagne bien son argent. Safarel, il gagne bien son argent. Beno même, c'est l'artiste le plus riche de notre génération. Je pense que les DJ n'existaient plus depuis que rap pouvait arriver. Vous les avez... Non, jamais de la vie. Ça, c'est notre discours pour nous motiver. Moi, il dit ça aujourd'hui. Ah, c'est un le discours, coupé, en fait. C'est un discours, le coupé décalé. Est toujours le coupé décalé. Vous le devez beaucoup, hein, vous êtes inspiré des leçons pour faire votre rap ivoire. Même nos sons rap, là, on est obligé de danser dedans pour que ça prenne le public ivoirien. Le coupé décalé, là, on est en train de parler de place. Ils sont deuxième, mais ils sont troisième. Mais le coupé décalé ne peut jamais être mort en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Jamais. Non. Donc vous devez beaucoup à Arafat. Bien sûr. Mais toi, dans un discours, une fois, tu as dit que vers la fin, Arafat s'est rallié au rap ivoire. Où tu veux l'en venir? Mais il a kiffé le rap ivoire. Il s'est rallié.
Oui, il a fait les sons rap, il voit. Mais il a laissé copier décalé. Faut chercher pour toi, petit. Ouais. Faut chercher pour toi. Mais d'afro trap décalé et tout ça. Quand tu dis trap net, c'est rap. Ça, c'est rap. Donc faut voir que. Mais il a kiffé la vibe. Mais en toi aussi, Didi, mais n'oublie pas que quand tu dis trap, c'est les enfants de copier décalé qui sont nés en France aussi. Hein. Non, jamais. Le trap n'a rien à voir. La trap. La trap, c'est un mouvement américain. Ça, oui, ok. C'est un mouvement américain. C'est même pas en rien à voir avec Coupé de Galénie Afro de France. Mmh. La trap, c'est un style rap. Et l'afro trap que. Justement, l'afro trap, c'est quand tu mélanges Coupé de Galé avec la trap. D'accord, mais c'est ce système de mélange vient d'où? De la banlieue parisienne. Ce système de mélange vient de la Côte d'Ivoire. Oui, non, mais je dis, ça a été récréé en banlieue parisienne. Ça vient de l'Afrique parce que les Passi, les Mokobé. Les, comment on appelle ça, Molar, qu'ils ont fait leur premier son, où on rappe un peu, sur tu les Kesha, Kesha on dit quoi. Voilà. C'est, moi j'en ai fait un aussi avec Apé aussi. Ici, hein, voilà, c'est quitté ici. Même M.A.M. rapper sur les beats. Voilà, on a fait même un feat avec eux aussi. Voilà, c'est ici. C'est non, il sait pas où il est défalé. Il sait que tu es l'ancien. Il sait. Non, il connaît. Voilà, t'inquiète. Moi, t'inquiète pas. Moi, on parle pas trop. Non, c'est pas une guerre. C'est avec toi maintenant. Mais il y a tout un mystère autour de toi. On ne sait même pas si tu es politicien ou pas. La preuve en est même, tu es venu avec un gars de corps. On dit, il n'a qu'à peine. Tu dis, non, il n'a qu'à rester. On ne sait pas si il tient Zamou. Excuse-moi de parler. Je ne sais pas si ton gars de corps, il tient un Zamou, un fétiche. Il doit orienter sur toi. Parce que tu n'es pas politicien. Tu fais rien, tu sors tes rappeurs. Tu dis, non, tu n'es pas braqueur. Tu n'es pas doubleur. Non. Au fait, au-delà du fait qu'il se balade un garde-corps, chacun peut se balader un garde-corps pour sa sécurité ou ses élèves. Ouais, mais le garde-corps dans le studio, on dit non, il n'a qu'à patienter à la sonde. Il dit non, il bouge pas, il doit rester. C'est quoi ce mystère autour de toi? Non, en fait, moi actuellement, mon label là, je suis le chouchou de mon label, il ne veut pas me laisser. Ah donc c'est ici, non, on t'a kidnappé quoi. Ah, il ne sait pas, mais il ne veut pas me laisser. Tu as reçu des menaces, les gens, si ça t'a tué ou bien qu'est-ce qui se passe? Non, qui peut. Bon, on ne sait jamais là, il y a Dieu. Là, que tu es en ce moment, tu es le god, on peut dire que tu es le god du rap pouvoir. Non, il y a Dieu, il y a Dieu. Après le rap là, en Amérique, il y a pistolet derrière. Il y a Dieu. On finit de travailler, on essaie, on rentre à la maison, on travaille. Mais tu sais, dans chaque domaine. Il n'y a pas d'animosité dans la musique ivoirienne pour arriver jusque-là. Quoi. Ouais. Okay. Mais dans ce que vous faites là, vous savez qu'il y a des mauvaises langues un peu partout. Hein. Les gens disent que toi, tu es un dealer, tu vends drogue. Ah bon? Il n'y a pas des ambons, c'est ce qui circule dans vos milieux. Non, ça c'est fou, ça c'est toi, tu viens d'écrire. Non, laisse le téléphone, vas-y. Attends, non. Ok. Ça c'est toi, tu viens d'écrire ça, sinon. Tu m'as Est-ce que tu m'as vu dans un mouvement de rap ivoire? Tu vas pas t'apposer ça. Je m'en vais dans un mouvement de rap. C'est-à-dire, c'est pas dans le monde. Mais c'est les informations qui me reviennent. C'est tout à fait normal que même tu pas la route. Ça ne tient pas la route. Mais je prends ça comme un compliment, tu vois. Que c'est pour toi. Non. Si on dit que je suis un dealer de drogue, je pense à ton compliment. C'est galère là, le jet tout. C'est galère que les gars me disent, ils ne comprennent pas les schémas. Moi, je suis ambassadeur de Johnny Walker. Hein? J'ai signé un contrat de Johnny Walker. Quand il dit les chiffres à chaque fois, Internet fait vrrrr. J'ai signé un contrat de Johnny Walker à plus de 30 000 euros. Mm-hmm. Tu comprends? J'ai signé un contrat de, comment on appelle ça, avec le 9-2 à plus de 70 000 euros. Mm-hmm. Hein? En ce moment encore, ou bien on continue? Non, attends. Tu peux tout citer, hein. On est là pour écouter et puis les entreprises former aussi. Mais attends, c'est BIM là. Oui, hein, c'est pas la maison, mais t'as le Nigeria, tu sais quelque chose. J'ai une tournée. Non, il y a le BIM. Ton BIM là. Il vient d'annoncer aussi. Il dit ton BIM un coup là. Ton BIM un coup. Vous allez voir un marabout, un féticheur, ouais, c'est ce que tu veux lui demander. Ah, on demande pour 15 Blue là. Bon, c'est ce qu'il hein. Ici là, tu as pas besoin, tu peux dire tout ce que tu veux. Franchement, ton BIM là, ça fait peur. Un coup, boum. Non, moi, mon BIM là, ça a été travaillé. Moi, mon BIM là, c'est, je suis un artiste qui ose avec son label. Et on a vu qu'il y a une génération dans Abidjan de jeunes qui aiment les sons de qualité, les choses de qualité. Ils ont envie de dire que eux aussi, ils ont des gens à la tête, comme les Whisky, comme les Burna Boy, comme les Lil Wayne. Ils ont envie de ça. Ouais, mais malheureusement, vous, les gars du coupé décalé, vous leur donnez pas ça. Non, voilà, lui, le coupé décalé. Parce qu'au début, vous êtes venu avec un bon giga. Calme-toi, le coupé décalé, vous êtes venu au début avec un bon giga. Bien, bon clip, cigare, tout était bien soigné. Les gars même de l'extérieur avaient peur. Ah, c'est quel nouveau style de chanson, sûr, ça, là. Oui. Les images, l'image était soignée. Bien sûr, oui. Mais à un moment, vous avez commencé à nous servir de la bouillabaisse. Jusqu'à présent, hein. Et vous avez commencé à... On danse, Caluson est comme ça.
tout ça c'était coupé des calottes. C'était pas des exemples. C'était plus une musique stylée. Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est pas peut-être le message de la génération après nous? Parce que nous, on n'était pas... Justement, nous, notre génération, on est venu. Ben voilà. Nous, notre génération, on est venu. Quand tu vois Kaes Bloom, quand tu vois Suspect, quand tu vois moi, quand tu vois Kiff No Beat, quand tu vois... Nous, là, on travaille notre image. Et puis, on chante d'une manière bien, tout est propre. Et puis, on avance, ça. Donc, toi, en t'entendant parler avec tes bijoux qui coûtent des millions, là. Donc, c'est-à-dire que quand tu prends Chenet, tu prends, comment dire, Mix... Tu prends Beno. Non, quand tu fais des Rougascas, les générations là. Les générations, après eux, c'est eux qui viennent. Mais ce n'est même pas la question que tu as me poser même. Tu dis que non, ils vont commencer à servir de n'importe quoi. Je vais te dire que je n'ai pas envie de parler d'un autre genre musical, moi là. Non. Des fois que le rap. Attends. Tu as dit ils ont servi de la bouillabaisse, non? Couper des canets, ils ont servi de bouillabaisse, non? Mais alors, pourquoi tu me dis comme ça? Il dit couper des canets, vous allez commencer à servir. Il dit couper des canets, vous allez commencer à servir de la bouillabaisse. En termes d'image, il y a des artistes coupés des canets qui étaient concentrés et puis il y a des artistes qui servaient de la bouillabaisse. Des artistes coupés des canets qui servaient de la bouillabaisse. Tu sais que dans le rap, là, on ment pas, hein? Donne un nom. Comment ça, dans le rap, on ment pas? On ment pas, on dit la vérité. Donne un nom d'un artiste de coupé décalé qui sert bouillabaisse. Non, moi franchement, je ne sais pas. Vous, quand vous voyez un clip, quand on clique sur vos clips comme ça, moi, je n'écoute pas beaucoup de son. Coupé décalé, hein. Moi, j'étais un vrai fan d'Arafat et puis j'écoutais, comment ils appellent, Serge Bénin. Mais Rukaska, c'est celui qui l'a envoyé son nom d'après les noms. Mais justement. Là, il servait la bouillabaisse aussi à Arafat. Non, ça c'était un style de danse aussi. Bouillabaisse, à moi, je te parle en termes d'image. L'image, les clips n'étaient pas soignés. C'était du n'importe quoi à un moment. Je pense qu'on va faire appel à Roland le Médis. Non. Concernant les clips. Toi, tu as dit que Roland le... Tu dis image. Lui fait un clip de coupé décalé aussi. Toi, tu as dit que Roland le Médis faisait un faux clip, quoi. Tu dis s'ils font bouillabaisse, non? Comment c'est quoi ça, tu fais comme ça? On lui demander. C'est toi qui dis font bouillabaisse en image, non? Mais on va lui demander. On n'est pas méchant. Moi, je parle de l'image que les gens. Hein, quel gens? Donnaient. Dans, quand on dit, on fait un clip et puis on voit un gars qui est en caleçon en train de danser. Ou bien les gens dansent par terre. C'était pas ça le style du coupé décalé. Mais pas me dire la vérité. Mais quand arrête de faire ça. Là, il fait ça. Quand ils sont venus là, est-ce que c'est comme ça que vous êtes venus nous bébé dans le pays? D'accord. Ok, calé sont dehors. On est venus bébé. Vous êtes venus nous bébé. Tout le monde a dit c'est quoi ça? Ils sont dangereux. Dédé. Arrête là même, c'est soigné. Relève d'une manière sur le côté. Dédé. Non, ça. Calé sont dehors là. Arrête. Calé sont dehors là. Arrête, Chenny, il fait ça. Calé sont dehors. Benoît, il fait ça. Calé sont dehors. Oui, ils font tout cela. Ils font calé sont dehors. Arafat, ils mettent calé sont dehors. Benoît fait calé sont dehors. Comment? Style calé sont, voilà, et tout ce qu'ils font. Comment ça, Arafat fait calé sont dehors? Tu parles de quel calé sont dehors? Toi, celui-là, puis maintenant, pantalon descend. Je parle de l'image des clips. Comment? Mais oui, mais dans les clips, on les voit. Comment les gars faisaient des trucs bizarres, il n'y avait plus de pharo dans le coupé décalé. À un moment, il n'y avait plus de pharo. Maintenant, reconnais que maintenant, le coupé décalé s'est réveillé parce que les Bénos, là, maintenant, les mix, ils disent, ah, le sapeur, du temps, les Serge Bénos, là, les mannequins, le mannequin, les trucs. On t'a vu dans un clip coupé décalé, en train de jouer le rôle de Douce Saga dans un clip. Tu as porté la même cravate. Moi, je comprends pas comment vous croyez que moi, je suis pas un fan du coupé des canets. Non, on a jamais dit ça. C'est ça, votre combat. Nous, écoute. Moi, je suis un big fan du coupé. Lui, ça n'arrange pas. Il y a quelqu'un qui dit qu'il sert bouillabaisse. Alors, il s'est dépassé. Tu sais, Didi, mais toi, tu es celui en général, on t'a vu le premier à clasher, à tenter. Une fois, on a reçu un gars ici, il a dit, mais non, Didi, dit les gars de coupé, laisse Didi, c'est le mieux, c'est le plus fan de coupé des canets. Moi, mais il dit ça de l'émission. Tu vois un peu. Maintenant, quand on parle, c'est vrai, nous aussi, on te regarde. La dernière fois, on t'a vu sortir d'un clip. Tu dis Anaconda, mais voilà Didi B, il a mis le cigare, la cravate rouge de double, il a la position, il a tout de trucs. Bon, nous aussi on regarde. Après la même période, on voit. Je même pas les discours. Voilà, non, on a vu. Bon, voilà. Bon, on a vu les discours. Allons plus loin. Moi, à un moment donné, je t'ai vu avec un clash, avec un été d'évancier. Billy Billy. Mais je veux comprendre un peu d'où est venu ce clash. Non, en fait, le vieux père n'a pas respecté nos mouvements. Ok. Voilà. Lui, quand lui, il a commencé là, quand lui, il a commencé à rapper là, il y a des gens dans son époque qui parlaient mal aussi de son style. Okay. Mais il a été accepté par les Ivoiriens. Et personne n'a commencé à trop le boycotter comme il a voulu faire là. Est-ce que Call Almighty, est-ce que quand Billy Billy a commencé,
All My Chepi Stezo ont craché sur lui. Non. Jamais, on n'a jamais entendu ça dans un buzz du truc. Mais toi, en tant que, dans ton Tupac, tu es Billy Billy, tu es un des grands développeurs. Quand on dit les Snoop Dogg ou bien, en tout cas, dans les grosses têtes avant nous, là, tu es dans, tu es dans le tableau des légendes. Des légendes, ok. Et puis toi, tu viens décrédibiliser notre mouvement, toi-même ton mouvement de rap. Tu viens me piétiner comme ça pour dire que c'est de la merde, les enfants là. Il faut. Donc, ce que moi j'ai fait, parce que ce que moi j'ai fait, c'était pour lui montrer que c'est pas parce qu'il est légende du rap qu'on peut pas lui dire la vérité. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un manque de respect aussi? Il nous a manqué de respect aussi. Mais, est-ce que quand même si on nous a manqué de respect, vous n'avez pas applaudi? Est-ce que Bamba Junior, le meilleur rappeur de Côte d'Ivoire, quand il m'a manqué de respect, vous n'avez pas applaudi? Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens vous aimez quand ils manquent de respect, puis il y a des gens vous aimez pas. Mais tu sais que les gens disent que c'est parce que Bamba Junior, son poteau l'a laissé, que toi, tu as pris une première par la gueule. Sinon, en tant que Bamba Junior, là, tu ne peux pas. Il était prêt pour toi, tu sais ça. Romagnon, moi, il y a le produit à l'air. Tu sais que Bado fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, franchement, Bado n'est qu'à pas Romagnon. Pas moi-même, quand il voit ça. C'est pas bon. Il n'y a plus de bruit là. Il voit pas depuis Romagnon. Je vais te parler de ta personne. Il paraît que tu es quelqu'un de difficile, tu es inaccessible. Mais c'est ça qui est bon, hein, les Ivoiriens. Mmh. Moi, je suis un mes amis. Mmh. Et puis, j'aime beaucoup rassembler mes amis. Mmh. Je suis avec les gens et tout, et tout, et tout. Parce que tu sais, à un moment là, quand c'est pas. C'est pas inaccessible que tu devais dire. Mm-hmm. Tu devais dire, je suis réservé dans mon coin. Parce qu'à un moment. Non, les Ivoiriens n'ont pas dit ça dans ce sens. Ils disent que tu es difficile, tu es dans ton coin, tu es inaccessible. Non, voilà. C'est ça que je dis. Mm-hmm. Normalement, là, je suis dans mon coin et mon travail, je respecte mon travail. Oui, donc, ce que j'ai toujours remarqué chez les Ivoiriens, c'est que le professionnalisme, sûrement, c'est un problème, c'est un défaut. Et alors que moi, ils respectent ça. Ouais. Moi, ils respectent ça. Donc, ça fait que les gens disent, ah, il est inaccessible. Tu veux me parler, quel que soit qui tu es, tu vas passer par mon manager. Mon manager travaille pour moi. Ouais. Il ne peut pas le sauter pour discuter, c'est de me cacher avec toi. Donc, les gens, quand tu leur dis ça, déjà, il y a lui, il a dit, c'est pas un... Mais, aïe, qu'est-ce que ça fait de se prendre? Normalement, il y a un architecte, et puis il y a les manawa, et puis il y a le tototot, et puis il y a le tototot. Donc, tu ne peux pas sauter tout le monde, en fait. Dans le monde des rappeurs, il y a des rappeurs, quand tu vois, tu ne salues pas, tu passes. Ou bien, tous les rappeurs, quand vous voyez, vous saluez normalement. C'est eux, ils me voient, même. Ils ont quoi, ils peuvent me voir à Abidjan ici? Non, les rappeurs, ils ne te voient même pas. Aïe, où moi, ils traînent là? Est-ce qu'on a même quoi, ils vont dire? Il n'y a pas un problème des personnes avec tes collègues rappeurs, par hasard? Il n'y a pas un problème. Il a t'expliqué ce qui s'est passé qui a fait que je me suis renfermé comme ça. Je me suis ouvert jusqu'à un moment même. Bob Denard, je lui fais un big up, un clin d'œil avec, comment on appelle ça? Bob Denard m'a dit que, attends, tu es le moula du rap ivoirien. Parce qu'à un moment, je me suis ouvert à tout le monde. Dans le rap ivoirien de notre génération, là, à part Shadow Chris, il n'y a personne qui a aidé tous les petits là que moi. Waouh, ça on ne savait pas. Hein. Oui, justement, mais c'est moi. Justement, modestie à part. Ok. Parce que justement, c'est moi, les gars, qui me dit que je suis bizarre, j'ai fait les trucs, les renfermés, mais vous avez fait quoi? Et puis moi, je me suis rétracté dans mon coin comme ça. Ramba Junior, moi, je lui achetais des habits, je lui donnais de l'argent. Mais ils sont passés par lui pour faire clash, pour chercher à régler quelque chose. Okay. Ça, en dehors, pour commencer, il était découragé. Mais il a dit, mais attends, déjà même, ça m'a fait rigoler, mais il était découragé. Attends, il ne comprend même pas les schémas, même, en fait. Genre, il a fait une vidéo où j'ai imité Ado, j'ai imité Lully Dembo, j'ai imité Ramba Junior. C'était un amusement, quoi. Et puis, ils ont profité en même temps. Ils sont rentrés. Donc, je suis là un matin, quand on dit, on m'a clashé. Ça, c'est le départ. J'ai fait un événement de rap où on dit Africa Mindset Party, où les enfants viennent se clasher et puis rap. Et puis, je paye le gagnant, tout ça là. Sponsor même, tout ça, il a trouvé tout ça là. Waouh! Oui! Et j'ai appelé Bob Denard, j'ai appelé Suspect, il a dit venez faire des vidéos pour moi les gars, s'il vous plaît, les gars m'ont soutenu. Là, Bob Denard a appelé le Mola, dit rap, il va. Presque tous les petits là. Tous les petits, si tu veux vraiment qu'on cite là, si tu veux vraiment qu'on cite tous les noms là, je te donne le nom, ça a rempli la feuille. Là. Wow. Tous les noms des petits qui ont aidé, mais il n'est pas aidé pour chercher non, la preuve, je n'en parle pas. Mais tu n'as pas ça, c'est vrai. Non, je ne dis pas les noms, tu comprends. Mais c'est une. Ils sont là, ils sont nombreux. Non, en fait, tu es quelqu'un qui a un bon fond. Mais justement, moi, je suis un rassembleur. Waouh. Moi, je suis un rassembleur. Tu es chrétien ou musulman? D'après. Tu es chrétien ou musulman? Je suis musulman. J'étais chrétien, mais je suis musulman. C'est le chrétien, il y a un problème. Tu es chrétien, tu es musulman maintenant. Ouais, j'étais chrétien de nature. Genre, quand,
quand tu es né chez tes parents, okay. tout le monde t'envoie à l'église un dimanche. Et puis toi-même, tu es devenu musulman. Et puis moi-même, maintenant, j'ai fait le choix de devenir musulman. Devenir musulman. C'est quoi ton nom, musulman? Aboubacar Junior. Mon papa, il s'appelle Aboubacar aussi. Ok. Bon, à un moment donné, dans votre groupe Kif No Beat, vous naguez un moment DJ Arafat. Oui, on a tous vu ça sur les réseaux sociaux. Par rapport au fait que parmi j'aime bien cette question. Parmi vous, aujourd'hui, Afaye dit que. Il aime multiplier ici. Si, parmi vous, vous avez sorti même que parmi vous, quand vous dites vos fameux slogans, qu'ils ne sauront jamais ce qui se passe dans le 13, que quand même, ça m'a serait passé dans le 13. Mais Arafat a dit quoi là-bas et puis nous, on a dit ça. Question. Question. Pose-lui bien la question. Faut lui dire que dans Kif No Beat là, il y a l'un des gars qui sortait, Karmin Sama, qui narguait Arafat. Oui. Là, il va bien comprendre, il va bien expliquer. Et arrête le mensonge. Voilà. Dans Kif No Beat, on était assis tranquillement à la maison. Chez vous. Chez nous. Quand Arafat a fait un poste pour dire que destruction maximale. Parce que nous, on est parti dans l'événement de Moula. Ce jour-là, si vous vous rappelez bien, les Ivoiriens même l'ont insulté. Pour dire, mais eux là, c'était danseur ou bien? Et puis tu vas les interdire d'aller quelque part. C'est toi qui les produis. Par là, blabla a commencé comme ça. Donc nous-mêmes là, moi il envoie mes vieux Mogo. Mais nous, on a fait quoi? Moula, c'est notre vieux Mogo. Tu as dit quoi lui, nous, on ne peut jamais prendre parti dedans. L'hypocrisie de certaines personnes, c'est d'essayer de pointer du doigt quelqu'un dans cette affaire d'Arafat là. Parce qu'on a tous mal qu'il soit parti. On veut pointer du doigt quelqu'un. Pourtant, on sait que le Mogol lui-même, il n'était pas facile. Arafat lui-même, il n'était pas facile. À vivre. Il faisait parler tous les jours. Lui, il faisait parler tous les jours. Elle, ses amis. Tu comprends? Et des petits frères, tu essaies de mettre droit de veto sur eux. Et puis ils te disent, mais vieux Moro, nous on est Kif No Beat, on a une grande carrière, même nous là, on est des grands artistes en fait. Tu ne peux pas nous interdire d'aller quelque part, ce n'est pas possible. La production même va, ça ne va même pas rentrer bien dans son oreille même. Mais Arafat, ce n'était pas quelqu'un qui vous orientait un peu quand même? Jamais de la vie, Arafat, Arafat nous a orienté quelque part. La réponse de la question, c'est pas le rôle que vous voulez faire, tu comprends, Kif No Beat, on s'est construit. Tu comprends? Jamais de la vie, Arafat nous a donné et autre chose à part le featuring qu'on a fait où on a bien kiffé ensemble. Voilà. Donc, ça a été un grand poids. Mais ça a été bien sûr un grand poids pour nous. Ça nous a aidé même à rentrer dans le cœur des Ivoiriens. Voilà. Mais façon, tu en as parlé d'Arafat là même pour enfin. Mais je veux te dire que. Quand ça a commencé comme ça, elle a commencé à tâcher les petits. Les petits ne répondent pas. Les petits ne répondent pas. On répond en privé, on répond pas. On dit, ah, vive-moi, arrête ça. On répond pas, on répond pas. C'est lui qui nous a attaqué premier. Le nom de quelqu'un qui dit que nous, on a attaqué Arafat premier. Vous avez sauté ça, vous, non? Lui, il a commencé à dire qu'il est sorti avec la femme d'un d'entre nous qui venait de marier. Est-ce que ça, c'est normal? Ça se dit ça. Mais c'était vrai, non? Mais c'était vrai, mais est-ce que c'est normal? Vous avez fait quoi, puis il a dit ça? Et puis, pas de pour rire comme ça pour dire ça? Ah, parce qu'on est parti dans l'événement de Moula, parce qu'on n'a pas, été de son côté. Mais vous êtes il est devenu automatiquement automatiquement notre ennemi. D'accord. C'est normal, ça c'est qu'il était déjà, c'est normal. Non, j'essaie de réfléchir. Arrêtez ça là. C'est normal, tu te lèves quand tu viens, tu vois tes petits, tu dis truc. Et puis, même parmi lui qui sortait avec Kamen, parmi nous là. C'est avant Arafat, avant même qu'elle connaisse Arafat. Mais pourquoi vous avez parlé de ça? Tu es fou, quelqu'un que. Je t'explique. Ça te plaît. Quelqu'un que moi je suis là, on parle pas, on nous attaque, on parle pas. Mais vous devez rester professionnel. Tu es professionnel. Oui, il est fou, il entend mes gamins, laisse-moi t'expliquer. Attends, il a fini de lui répondre. C'est votre grand frère, il peut. Il n'y a jamais grand frère ici. Dans comment on appelle ça? Dans affaire des femmes, tu dis quoi? Affaire des femmes, ta femme que tu viens de marier, grand frère va crier là-bas sur internet que je suis sorti avec elle. Grand frère, c'est fini. Il a levé mes lunettes en même temps. C'est ma femme, vieux mon gars. Voilà, il n'y a plus de grand frère. Toi-même là, on a chicoté chez toi aussi. Les enfants, c'est trop gagné. Quand j'ai rentré dans ça, elle a dit, viens vous frapper. Voilà. Et puis on commence à fuir maintenant dans la ville. On est au Yolo, viens nous trouver là-bas. Il a compris que. On m'a dit qu'il a pris une troupe pour vous chercher. Mais troupe même, nous-mêmes, on est les petits de Béjaville, on est les petits de Baba.
troupe que lui il a trouvé ce jour-là. C'est devant lui aussi là. C'est un bizarre. Hein? Ah, vas-y, j'ai un son. Hein? On dit que vous êtes croisés, il y a eu deux troupes. Et puis maintenant, il vous a regardé. En fait, finalement, même quand il parle de ça, c'est comme de bons souvenirs. Même. Pourquoi? Mais non, ça va bien rire. Oui, c'est important. Et puis tu sais que quand le discours a commencé à péter là, tellement mon cœur était mort que notre relation se gâte entre lui et moi. Je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message sur Snap. Viens, mon gars. Pardon, on n'a qu'à tuer le discours. Moi, ici, on n'a qu'à arrêter tout par la blague. C'est bon. Tu sais ce qu'il avait? Il a fait screenshot. Pour faire direct encore. Ça, c'était ma dernière tentative. C'est bon. Viens, mon gars, il te laisse dans ta gamme. Là, c'est plus là. La mariée elle-même en question là, puisque c'est que vous êtes dans le même milieu, pourquoi elle n'a pas dit à son frère que ah, j'ai eu une relation avec Arafat? Mais même si elle va dire ça, mais elle va dire ça, elle va dire ça, non, elle peut être vérité pour dire ah, toi, puisque elle sait que vous êtes tous des amis, elle peut dire ah, on est mariés aujourd'hui, mais avant, c'est là qui fait que tu réfléchis, non, elle peut dire ça pour tuer le discours, elle vous a pas mal, elle a menti. Quand tu viens, tu as une femme, tu as déposé CV en même temps, ta femme a dit. Tu es sorti avec qui? Bébé, je suis sorti. Non. Elle sait que vous étiez tous amis à Arafat. Donc, par sincérité, elle peut dire, ah, moi, j'ai une aventure, une relation avec Arafat. Et il y a longtemps. Pourquoi tu vas te mêler de la vie de comment on appelle ça? Tu vas te mêler de la vie de la femme et d'un gars, d'une vie de couple. Pourquoi tu vas te mêler de ça? Pourquoi c'est toi tu as imposé ce qu'elle doit dire, ce qu'elle ne doit pas dire? Pourquoi? Mais c'est Arafat qui a gâté et nous-mêmes. On était obligé de se défendre. Mais en fait, mais Arafat n'a rien dit de méchant. Il a dit qu'il est sorti avec elle. C'est pas un jus. Ah, c'est rien de méchant ça. Mais c'est pas un jus. Il est sorti avec elle dans le temps. Est-ce que c'est un jus? Aïe. À la côte, vraiment, c'est pas un jus. C'est pas un jus. Écoutez, malhonnête même quand même. Mais à la gueule, Attends, il y a vu que tu as connori même, tu as dit me raconter même. Tu as dit me raconter connori même. Non, à la gueule, c'est pas un jus, c'est bon, il y a compris, c'est pas un jus. Qui est non, alors, tu dis, nous, on t'a vu en photo aussi. Vous étiez tout petit, Arafat et toi. Non, il n'y a pas de photo, on était tout petit. Hein. On a vu une photo, ah donc c'était pas toi sur la photo. Un moment, les gens pensaient que sur le net, il y avait une photo de Arafat qui circulait où il y avait un jeune homme à côté qui te ressemblait un peu. Non. En fait, je t'explique un truc. D'accord. Il y a un lien, pas vraiment de parenté, mais il y a un lien entre moi et Arafat. J'ai jamais voulu parler de ça parce que tu connais les gens. Mais je t'explique juste de manière brève. Okay. À un moment, elle est quittée au village pour fuir, pour venir se débrouiller à Abidjan, tu vois. Okay. Et elle était orpheline, tu vois, les gens, enfant de la rue, pas de orpheline, mais enfant de la rue. Elle dansait dans la rue, ma maman, elle dansait dans la rue, tout ça. Et elle dansait à Blokos. D'accord. Ouais, c'était une jeune fille qui dansait à Blokos, tout ça, donc tout le monde l'Angélé. La connaissait. Ah, madame Zerewe. Au Nangélé. Au Nangélé. Et quand elle dansait, elle partait au Nangélé, le papa d'Arafat l'a adopté. D'accord. Et quand il l'a adopté, moi, elle a rencontré mon papa après. Quand il l'a adopté, il a décidé de l'envoyer au village qui. Après, elle a rencontré mon papa là-bas, moi je suis né. Mais de temps en temps, on repartait au Nangélé pour saluer le papa d'Arafat, en mot de respect et tout. Donc, on partait là-bas, moi, je partais là-bas. Ils étaient petits, je les voyais parce qu'ils étaient des stars, c'était mes stars même. Quand ils partaient, ma maman là-bas, elle partait saluer la famille. Et je voyais Arafat, ma maman fait une répétition, puis lui, il vient, il est là, il était sur son portable, il le regarde, il était fort, mais c'était Arafat quand même, tu vois. Et puis, je voyais les autres DJ TV3, ses frères, tout ça. Voilà, tu vois, c'était un peu ça. Mais c'était le même environnement un peu. D'accord. Et puis, bon, après, on s'est plus perdu de vue comme ça. Sinon, bon, je pense qu'il avait jamais traîné ensemble. Je pense qu'il t'appréciait énormément parce que, bon, j'ai vu plusieurs fois, à chaque fois dans vos rencontres, et tout, mais après quand c'est gratos dans le clash, c'est toi qui as appuyé, vas-y le bouton. Hey, moi-même, j'ai essayé chinois. Mais tu connais que le père de la Chine, il n'était pas facile du tout.
Aïe. C'est vrai, en fait. Il n'est pas facile du tout. Tu peux pas être là corrompu, tu vas me parler que je peux pas être là corrompu. Même si tu t'aimes pas, tu chantes, tu sais chanter, et puis tu me fais danser. C'est dans ça, tu as dit que tu es sorti ma femme, puis il a dit que c'est pas un jus. Il a répondu là-bas, tu vois. Réponse en même temps. On va parler un peu de toi, on va laisser un peu. Réponse. Voilà, parce qu'il faut qu'on aille à Didier, allons sur ton album Mojo Trône. Hein? Parce que, attends, un album, tu viens de sortir. Tu ne parles rien que de ta présentation. Tu remplis le palais de la culture. 4000 places. Ouais, ouais, franchement, ça, c'est. Waouh. Ouais, non, c'est un waouh. Et là, wow. Là, est-ce qu'on peut te considérer aujourd'hui comme le nouveau god du rap ivoire? Actuellement, là. Ouais, là, là. Non, attends, il t'a monté quelque chose. Vas-y. On n'est plus dans rap ivoire. Non, c'est même pas lui. Il ne va jamais dire oui. Actuellement, je suis le prodige de la musique. Ivoirienne, tu mets pas de rap ivoire, faut m'enlever dans la catégorie ça. Okay. Donc il dit, il est parti, il a monté le niveau. Voilà, donc au passage, on salue Alpha Blondie, mais oui, Tiken. Voilà. Le grand frère, bon, il est là. Mais c'est normal. Est-ce qu'il est mal parlé? Tu prends toi mal? Non, il peut pas que je sois mal. Déjà, tu allais sortir, tu allais parler. Non, le reste, il n'y a plus de mal derrière. Puis, on peut continuer. Et si tu es passé dans la partie là. L'idée Kiff No Beat, le nom Kiff No Beat, ça vient de toi ou bien ça vient de qui? L'idée Kiff No Beat, là, en vrai, ça vient de Black K. Avec Elou. Mmh. Voilà, ce sont des malhonnêtes, des grands malhonnêtes. Je vais vous expliquer. C'est dans votre émission où on peut bien expliquer les choses. Bien sûr, oui. Donc, Black A et Lou, de grands malhonnêtes d'État qui ont été KNB, le groupe s'appelait KNB. Moi, leur petit cousin, je quitte en vacances chez eux. Eux ont déjà créé leur groupe qui s'appelle Camille and Brice. Oui. KNB. Oui. Donc, moi, je quitte, on vivait en vacances, ils disent, ah, les mots, rappeurs. Eux ont déjà fait leur projet que KNB. Oui. Et puis me mettre dedans en même temps. Ah, c'est KNB, toi, ton nom n'est pas dedans. Mon nom n'est pas dedans. C'est ça, oui. Donc il dit, ah, moi, on rentre dans le groupe là. Mm-hmm. C'est quoi, ils m'ont pris, hein? Donc KNB là, entre eux maintenant, ils ont réfléchi maintenant vite pour trouver. Un truc, un nom. Introduit maintenant. Non, pas pour. On pourrait pas mettre D. KNB, D. Donc ils ont essayé de trouver tout. Quand ils ont trouvé Kiff No Beat avec une de nos amis, tout ça. C'est pas du tout. Donc c'est parti du bas d'une malonie en fait. Mais après, c'est Camille, Blaka qui a réuni. Quand vous êtes sorti Kiff No Beat, quand vous êtes sorti au début, Kiff No Beat, ça faisait un peu allusion aussi au sexe. Enfin, oui. Il y avait un amalgame. Non, voilà, il y avait un amalgame, mais pas nous. Nous, c'était pas nous notre intention, la vérité. D'accord. Il y a une polémique. À aucun moment. Oui, mais la polémique, quand même, nous arrangeait pas du tout. Pas du tout. Je te jure, parce que ça salit notre nom, même genre. Au début, et puis on s'est blagué un jour. Kiff No Beat, on s'est blagué un jour pour faire un son de sonnerie à caractère sexuel. Ouais. C'était un son de sonnerie. Le son qui tournait à Yopougon. Oui, à un moment. C'était un son de sonnerie. De nos sonneries. Et puis il y a quelqu'un qui a balancé ça. Et puis on dit c'est Kiff No Beat qui chante ça. Ouais. On a plus fait ce jour, mais mon vieux m'a appelé. Il a dit vraiment, je ne suis pas content de toi. De la musique, tu as dit tu veux faire cette musique comme ça, vous faites. Non, il y a une grosse polémique qui s'est installée, je t'ai dit. On a essayé de ne jamais parler de ça. Tu vois, on a rigolé, puis c'est passé dessus. Mais c'était. Mais l'idée chanter en solo au sein du groupe, tu as été le premier, mais là encore, c'est les autres qui ont commencé. Oh là là. Moi, c'est comme il dit. C'est comme moi, il dit. Moi, c'est toujours moi, on prend pour faire le sorcier. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Kiff No Beat, c'est pas moi qui ai décidé de commencer carrière solo premier. Ils t'ont poussé? Non, ils m'ont pas poussé. C'est pas moi qui ai décidé de commencer premier. D'accord. Moi, j'ai juste fait Assini. Et puis maintenant, ils étaient en train de m'organiser pour chercher maintenant à faire mon truc tranquillement. Ah, d'accord. Tu n'as lui qui était Jaouli même pour faire peut-être LG. Carrière solo. Voilà. Qu'est-ce qui devient moi? C'est pas moi qui ai commencé tout ça là. Qu'est-ce qui devient même? Toi tu dis c'est pas toi, mais Assini là, c'est là que toi as déclenché aussi. Mais Assini ça m'a forcé à prendre au sérieux la carrière solo. Mais ah donc tu as fait un essai, et coup d'essai, coup de merde. Non, c'était pas essai. Moi, carrière solo en fait. Oui, c'était pas essai. Il veut dire que j'ai fait un son pour mon kiff. D'accord. À la base, je fais des sons pour mon anniversaire et puis j'organise une tournée d'anniversaire pour pas mon an. D'accord. Okay. Mais donc, j'ai fait mon son pour mon kiff et puis ça allait plus loin que ça. Voilà. Et puis maintenant, j'ai décidé, j'ai pris mes couilles parce que j'assumais pas. Une fois même sur une chaîne, on était tous en groupe et puis il y a une vieille mère, ma vieille mère, comment on l'appelle, Nadège, elle m'a dit,
va chanter ça. Ouais. Tu vois. Nadège Tubiana m'a dit va chanter Yedi. Ah la veille, il peut pas, mon groupe est là. Il peut pas faire ça. Et puis eux-mêmes, ils m'ont dit oh, viens chanter ça. Mais tu sais qu'à partir de là, les gens t'ont accusé d'avoir cassé le groupe, non? Ah, ça c'est le problème. Puis, ça, là, il va lutter contre ça, il va expliquer mille fois. Ils vont non, dire, non, on te dit ils que les gens que ils vont dire qu'ils ne veulent rien savoir. Alors dis-nous ton album, combien de titres? Mon album c'est 16. Waouh. 16, mais normalement c'était 26. Hein. On a essayé 26 de... Oui, on a essayé de faire un double album. 16 titres. Ça part dans quel style? En fait, tu rap, ivoire, un peu de style. Parce que bon, là, on va dire que tu fais beaucoup d'exercices de style en ce moment. On te voit sur des beats assez corsés, par moments des beats qui viennent un peu du Nigeria, un peu de style apparemment à piano. Bon, on te voit un peu sur beaucoup de styles. Donc, comment ton album est dirigé? Quelle est sa direction artistique? Mon album, là, en fait, c'est un album rap de base. Tu d'accord. Comprends? Et... Justement, moi, comme je suis un mongol, je touche à tout dans la musique. C'est pour ça que je proclame que je ne suis pas rappeur, je suis artiste, tout ça. Mm-hmm. Je n'ai pas voulu faire l'erreur de faire un album rap et puis c'est rempli de sons afro. Oui, c'est puis, pour ça que je voilà, dis ça. Voilà, ouais. Si ça allait être une erreur, ils allaient dire, bon, les fans de rap allaient être découragés. Mm-hmm. Oui, il y a ça aussi. Enfin, donc, j'ai servi le côté rap et puis j'ai essayé de faire une vibe un peu plus afro beat avec José, le featuring avec José, et puis avec Black K aussi, j'ai fait un son. Quoi. Donc c'est de temps en temps quoi. Bon. Parlons de José, tu es passé voir son nouveau bébé? Non, je ne suis pas encore passé là-bas parce que j'étais en, comment on appelle ça, au concert. Tu connais le père? T'es fou, hein? Je demande dans tes débats. Parce que tu as fait futuriser, elle donne normalement peut-être tout le monde. Il a dit, moi, je connais José là. Moi, il doit partir voir son bébé là. D'abord. Hein? Uh-huh. Moi, il ne cherche pas à partir voir le papa de son bébé. À qui il ressemble quoi? Il ne cherche pas à partir voir papa de non, son bébé. Non, toi, non, tu as quelque chose de. Papa de son bébé là, c'est oui. Pas mon problème. Mais tu peux aller voir pour voir si le gars ressemble à quelqu'un que tu connais peut-être. Si il ressemble à tu quoi? Non, moi, il n'est pas dit. Voilà les mains de Guy Robert. Je demande. Ah ouais, mais le Ponce Pilate aussi. En vrai, que je vais laver ma main, je m'en lave la main. Ah Facebook dit que l'enfant là c'est pour s'héritier. Tu as dit quoi? Facebook dit que l'enfant là c'est pour s'héritier. Ah bon? Ah. Facebook c'est le nom de qui? Facebook là c'est les réseaux sociaux partout. Donc si quelqu'un peut nous démentir, n'a pas démenti. Mon vieux serré. Moi je te salue en tout cas. En tout cas, toi salue. Moi je suis pas dans les trucs comme ça là. Voilà. Alors Didi, revenons sur l'affaire, l'actualité porte à porte. Les femmes battantes de Dubaï. Donne-nous ton point de vue. C'est pas le moment où tu gars. Parab est sorti dedans là. Ah. Il y a Parab qui est sorti dedans. Ah, Marcoso là. Ah, Marcoso aussi là dans baisse de porte à porte là. Ah, c'est quoi s'il jette l'argent sur son lit, quand on lui rappelle ça, il se fâche. C'est pas le oh, gens, Jean-Louis fait porte à porte quoi. Ah. Non, parce qu'Anaconda a dit que le gars des signes extérieurs, il veste l'argent sur le lit, que c'est le comportement des gens de porte à porte. C'est là qu'il a des coups de poing. C'est pour ça que c'est levé pour t'entraîner. Non, ça aussi, Marcoso, c'est un grand businessman. Tout le monde sait qu'il gère ses moments. À quel moment avec porte-à-porte, porte-à-porte. Marcoso va. Ah, ça aussi. Faut imaginer la scène. Marcoso, porte-à-porte. Il ne peut pas faire ça. Tu as des parents. Marcoso va là, le haricot, quoi. Tu as des parents que tu sollicites souvent. Les parents que. Tu sollicites souvent quand c'est chaud, tu vas les voir. Bien sûr. Comme le roi 12-12, comme ça. Le roi 12-12, c'est sur le premier artiste qui est allé chez lui au Mali. Mais pourquoi quand les gens sont allés remplir, tu n'es pas parti? Mais parce que je ne suis pas dans la masse, moi. Ah, il t'osit, il est fou de quoi. Tu... Sinon, tu bouffes son argent. Hein? Bien sûr. Ah, on s'est appelé au Togo, même. On s'est donné rendez-vous à Dakar. Il m'a appelé, mais il m'a dit qu'il est fâché. Que mon petit, toi, tu es le premier artiste. Que moi, j'étais le premier chanteur. Il a fait le roi 12-12. C'est moi, il a chanté. C'est Talbi qui m'a envoyé la première. Mais il m'a dit, voici mon vieux père. Le vieux père, quand il m'a vu, il est rentré dans son salon. Il a fait Boro. Mais si je ne parlais pas de ça, les Ivoiriens n'allaient pas savoir ça. Il y a des choses là. Faut dire que tu connais le roi 12-12. Pourquoi tu vas prendre l'argent quelque part, même déjà, et puis tu as fait bruit sur ça? Ton frère demandait à sortir. Il a insulté le roi 12-12. Toi, il fallait sortir pour défendre puisqu'il te donne l'argent. Moi, il défendre. Roi 12-12, par exemple, Débordeaux, à parler. Oui. Mais toi, Roi 12-12, tu donnes l'argent. Oui. Mais quelqu'un te donne l'argent, l'insulte. Là, il faut le défendre. Ah, Débordeaux l'a insulté. Oui. Mais il n'a pas besoin qu'on le défende. Il a beaucoup d'argent. Non, toi tu bouffes son argent. Pourquoi tu ne l'as pas défendu? Mais moi, je bouffe son argent. Mais pourquoi tu ne l'as pas défendu? Bien aimé, je bouffe son argent. Mais tu n'es pas reconnaissant? Je suis reconnaissant parce que je chante son nom. Non, mais quand on l'insulte, là, tu dois le défendre. Il n'a pas son nom pour son avocat.
Je porte son nom pour chanter son nom. Des fois, il faut prendre ton gars. Voilà. Il n'est pas on peut passer à autre chose. Bien aimé. Il prend son nom. Je prends son nom. Je chante. Dans son nom. Il ne prend pas pour avocat. Voilà. Je prends pas pour avocat. Il n'y a pas d'avocat là-bas. Alors, Didi B, on a vu le cover de ton album sur le Twitter, le compte Twitter de Booba la légende. Ah, ça, c'était c'est... fou. Ouais, c'est fou. Ça, c'était fou. Hein. C'est fou. Nous connaissons Booba depuis l'Europe. On Booba, sait plus ou moins. Tout Booba, tout le monde sait que c'est voilà. Mon idole. Au même titre qu'Arafat, il m'a inspiré. Mm-hmm. Quoi. Genre, c'est des gars, ils regardaient par le charisme, comment ils niancent quand ils affirment. Je suis le maître, je suis le temps. Et ta star, tu vois ta star en train de mettre. Ses photos, tes photos partout, dit que l'album est sorti. Franchement, waouh, gros coup de pouce. Surtout, ouais. Alors, big up à Booba pour la force, parce que c'est très intéressant de voir des sommités comme ça qui donnent la force aux jeunes frères pour les faire monter, les booster, c'est important. Alors, big up à Booba. Alors, Didi, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Là, quels sont tes projets d'avenir? Parce que là, après le concert, 4000 places, c'est la période du repos, mais je sais que tu es un bosseur, tu ne te reposeras pas. Est-ce qu'il y a une tournée qui est en vue, prévue? Là, il y a déjà une tournée. Voilà, propre. Au moins 10 dates. Ok. Je termine avec ça. Normalement, il y a la tournée. Parce que il faut qu'on dise aux Ivoiriens. Mm-hmm. Parce qu'il était vu quand il a dit que je suis le nouveau chouchou de la musique ivoirienne. Oh. Tu as dit les vieux pères Alpha Blondie. Eux-mêmes là. Oui. Eux-mêmes les vieux pères là. Quand ils nous voient comme ça, ils sont fiers. Effectivement. De nous voir faire notre temps. Bien sûr. Voilà. Donc, je t'explique que. Écoute de mon album. Mm-hmm. Écoute de mon album. Oui. Sans prétention. Parce que c'est les faits qui se sont passés. On a fini de remplir le palais pour l'écoute de mon album, non? Mm-hmm. Le lendemain, je suis allé au Togo. On a rempli là-bas aussi 5000 places. Wow, félicitations. Comme tous les événements se sont passés, chap, j'ai posté, mais les gens n'ont pas. Il n'y a pas eu le temps de. Ouais, attention, mais j'ai fait ça. Deux salles de 5000 places, est-ce que tu comprends? Elle est le plein. Ouais, elle est le plein pour l'écoute de l'album seulement. Oui. Voilà, et puis je suis revenu à Abidjan maintenant pour sortir mon album. Je suis premier en France album rap. Wow. Et puis top album totalement là. Je suis deuxième. Même si ça fait, même si ça a fait deux jours, bien trois jours, et puis après ça a fini. Ouais, c'est comme façon où Fouet Boigny était président de France pendant 24 heures. Voilà, c'est pareil. C'est pour moi qui est là. Ouais, c'est pour moi qui est là. Donc je suis fier de ça. Il peut parler chapeau. De ça aussi. Non, chapeau. Il y a pris de force, merci, un pied. Chapeau. Porte à porti. Un Ivoirien 100% qui une le fait. Une fois en même temps. Il est pour ta poche en même temps. Ça, faut le faire sur un sein. Comme il nous reste 2 minutes, là, tu as un conseil pour donner aux gens de couper décalé là. S'ils peuvent devenir comme toi. Le conseil des gens de couper décalé comment? Mais moi, il y a une question pour toi. Moi, il y a une question pour toi. Quand tu bouffes l'un de Moula, pourquoi quand les gens les suivent, les gens qui sont morts, que c'est lui qui doit confirmer, pourquoi tu ne les défends pas aussi? Quand il les défend, il m'insulte ici. Le voilà. L'homme qui en a. Aïe, moi. Tu défends Moula là. Tu bouffes l'un de Moula tous les jours. Il sait que tu es là. Moi, il y a remarqué ma fille, ça la chose. Une pour Moula, la dernière, ça c'est la dernière ligne de phrase pour Moula. Moula, tu es rempli d'amis qui sont incompétents quoi. Non, pas incompétents, ingrats autour de toi, Moula. Franchement, Moula, quand ils ont commencé à t'insulter tout le monde, il n'y avait pas vu quelqu'un, même moi, mais ici déjà, on t'a pas défendu. Pourtant, nous tous, on prend l'argent avec toi, Moula. Surtout le gars comme ça. Les gars comme ça qui est là, Moula, toi, tu dois venir parler en même temps. Maintenant, à la moi, tu m'as. Toi-même, normalement, tu dois. Tu. Gros 12, griot de. De Mouli, quoi. Le griot de Moula. Ah, t'as vu? T'es pas l'état. T'as vu? Maintenant, tu dis mon nom, pas le nom, pas le reste, mon nom. T'as vu, moi, tu m'as dit accusé. Ah, c'est le griot de Moula. Normalement, dès que tu vois. Tu m'as dit. Dès que normalement, tu vois, Moula, t'as fait. T'as vu, la vérité est sortie. Après, t'as dit que c'est moi, il parle, que moi, il dit, t'as vu? Voilà, toi, pour toi, est sorti maintenant. Ah, vraiment. Alors, Didi B, quel est ton mot de fin à tous tes fans, tous ceux qui te soutiennent, tous ceux qui t'apprécient, tous ceux qui te boostent, qui te motivent, ton mot de fin pour tes fans? Franchement, les gars, je suis content, je suis très heureux parce que vous voyez, je suis à l'aise, je suis cool, j'ai envie de montrer mon bon visage, mon bon côté, comment je suis réellement pour m'amuser aussi parce que c'est une victoire pour moi. Et rendez-vous encore pour la suite de l'album parce qu'il y a une deuxième partie qui sort. Il sera une partie de confirmation. Et puis on fait, Inch'Allah, 3 fois le palais de la culture en une année. Alors, je pense que le message est bien passé. C'était Didi B. Alors,
Donc, continuez toujours à nous suivre sur les pages internet. Tous ceux qui nous suivent, n'oubliez pas de partager au max les vidéos depuis Paris, la grande famille. Merci à tous. Kangala le berger, toujours, on est ensemble. Merci aussi à Bouba le robinet. Merci, on est ensemble. Oui, Bouba le robinet. Bouba le robinet, il y en a qu'on a Bouba le robinet. Voilà. C'est pour ce samedi. Alors, Didi B, Fafa, merci. La marraine Matilda, tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Big up à vous. Big up. On est ensemble. Sortez couverts.